rapide sur quelques échantillons de cette écurie métallique sortie des forges d'un moderne Vulcain. Cette 141P qui effectue ici ses essais est du type de la locomotive classique. Son poids en ordre de marche est de 112 tonnes. Timbrée à 20 hectopièzes, sa chaudière, chauffée au charbon à l'aide d'un stocker, alimente son moteur compound à 4 cylindres qui communique, par l'intermédiaire des bielles, sa puissance aux 4 essieux moteurs munis de roues de 1,65 m de diamètre. Grâce à sa puissance à la jante de 3300 chevaux, la 141P a permis d'accroître considérablement les charges des trains et leur vitesse en rampe. Remorquant un train de 700 tonnes, elle a soutenu la vitesse de 100 km/h entre Lélome et Blaisiba, la plus difficile section avec sa rampe de 8 pour 1000 du parcours Paris-Dijon. Certaines de ces machines ont effectué des parcours mensuels atteignant 10 600 km. Afin de ménager la susceptibilité de ces dames locomotives à vapeur, nous vous présentons maintenant la 241P.